Ok. Je suis Marie Briot, diplômée d'un master en valorisation des nouveaux patrimoines à Nantes Université et j'ai été chargée de l'inventaire et de la valorisation des collections de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Alors, entre octobre 2022 et mai 2023, c'est un projet de 7 mois, plus de 1 000 heures de travail qui a été mené avec un inventaire des collections, puis après des recherches sur ces collections afin d'avoir leurs caractéristiques avant de les inscrire dans une base de données qui est aujourd'hui un site internet accessible à tous avec des contenus sur l'histoire de la chambre et sur l'histoire de ces collections. Ce projet, il est important pour la Chambre de commerce puisqu'il montre un patrimoine qui était méconnu et invisible. Et c'était véritablement le but de ce projet, c'était de rendre visibles ces collections et de les rendre accessibles à tous, aujourd'hui dans une base de données virtuelle. Et c'était aussi une volonté de montrer la diversité des collections et qui parle aussi de la diversité de l'histoire de la Chambre, puisqu'il y a des collections numismatiques, du mobilier d'art, des collections de textiles, qui forment aujourd'hui un corpus de plus de 500 objets ou lots d'objets. On aimerait bien pour la suite de ce projet que les collections elles soient plus accessibles, du moins physiquement. Et c'est vrai que certaines d'entre elles, elles témoignent du lien entre la Chambre et le territoire. Et donc la Chambre engage des partenariats avec d'autres structures du territoire afin de créer des événements culturels ponctuels où ces collections seraient accessibles physiquement cette fois-ci.